plus on avance dans la science, plus on se rend compte d'une manière certaine qu'on est des gros ignorants. Énorme. L'exemple de la science, c'est comme une personne qui est devant une porte. Une seule porte. Il se dit, ah, je vais ouvrir la porte, c'est simple, il n'y a qu'une porte. Je vais apprendre vite fait ce qu'il y a dans cette salle. Il ouvre la porte. Dans cette salle, il trouve 10 portes. Derrière chaque porte, il y a 100 portes. Derrière chaque porte, il y a 1000 portes. Derrière chaque porte, il y a des millions de portes. Ça s'arrête jamais. Plus il ouvre des portes, plus il se rend compte de l'immensité de son ignorance. Et que ce qu'il connaît par rapport à ce qu'il ignore est infime, infime. Et c'est pour cela que quelqu'un qui avance dans la science correctement, il est modeste, il ne s'enorgueille pas, il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, il ne se forge pas des illusions sur sa propre personne, parce qu'il sait, que ce qu'il connaît n'est rien par rapport à ce qu'il ignore. Et puis le peu qu'il connaît, c'est une grâce d'Allah qu'Allah lui a donnée, c'est pas grand chose. Il n'a rien fait lui, c'est Allah qui l'a aimé, qui lui a facilité l'accès à cette connaissance. Donc, il augmente en reconnaissance envers Allah, il augmente en modestie, il n'augmente pas en orgueil et en se forgeant des illusions sur sa propre personne. Malheureusement, les plus gros ignorants, ce sont ceux qui se croient les plus savants et qui se forgent des illusions sur leur personne et qui ont de la jura, qui ont de l'audace, qui se permettent de parler sur tous les sujets comme s'ils parlaient d'une tasse de café. Alors que le jour du jugement dernier, à cause de cette parole, il pourra être jeté sur sa face en enfer d'une profondeur de 70 longues années. Si seulement celui qui ignore se taisait, il serait resté en paix et il aurait laissé les autres en paix. Le bien, la vérité aurait augmenté et le faux aurait diminué, comme a dit Al-Hafidh Al-Mizzi, rahimahullah.